Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la construction d'une ferme à sorcières comme vous avez pu voir dans le titre. Alors aujourd'hui, comme vous pouvez le remarquer, on se retrouve pas dans un monde complètement vide, on se retrouve dans un monde normal de Minecraft, puisque vous allez devoir trouver dans votre monde une petite hutte de sorcières comme vous pouvez voir derrière moi. Donc du coup, les huttes on les trouve dans les marais. C'est assez rare, mais bon, c'est quand même assez trouvable aussi. Quand vous vous baladez dans les marais, vous en voyez quand même une fois de temps en temps. Malheureusement, vous ne pourrez pas créer cette ferme à sorcières ailleurs que ici. Donc, il va falloir quand même que vous en trouviez une pour commencer cette machine. Comme vous pouvez voir, cette structure, elle fait une taille de 7 sur 9. Donc ici, si je mets des blocs, 1, 2... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 avec le petit ponton qui est là et 7 de large, donc 4, 5, 6, 7. Voilà, donc c'est dans cette zone là qu'on va faire les sortes de paliers pour faire spawner les sorcières. Je vous montre ça pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait on va faire 3 paliers. Le premier va être ici en fait, à ce niveau là. Donc on va faire une sorte de plateforme ici. Et on va faire donc un palier au milieu et un palier en haut. Mais je vais pas faire ça tout de suite. Pour l'instant, ce que je vais faire et que vous, normalement, vous ferez plutôt à la fin, c'est en fait de soit éclairer, soit aussi creuser. Vous allez be avoir besoin de place autour. Donc là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais retirer une partie de la zone. Vous avez besoin d'à peu près 50 blocs autour dans toutes les directions pour éviter les problèmes et pour optimiser le spawn des sorcières. Donc, je fais ça tout de suite et je vous retrouve dans quelques secondes. Du coup voilà, on se retrouve, j'ai enlevé tous les blocs qui étaient autour. Ici c'était bien, là où il y avait donc la petite hutte à sorcière. D'ailleurs la sorcière elle est pas morte, elle est tombée là-bas. Donc ici on est bien au palier qui est en dessous, le premier palier du coup. Donc si vous ne visualisez pas, c'est le palier qui est 2 blocs en dessous du petit ponton qui est le fronton en fait de la petite hutte. Donc c'est vraiment 2 blocs en dessous, vous allez commencer la plateforme. Et ça sera la plateforme du bas. Alors ça fait bien donc les 9 de long sur les 7 de large. On met comme ça une ligne de soul sand, de sable des âmes, là comme ça, puis une ligne d'un bloc. Alors ici c'est du quartz, mais vous pouvez utiliser n'importe quel bloc où les mobs peuvent spawner dessus, hein, de la pierre, de la terre, ce que vous voulez, du moment que les mobs puissent apparaître dessus. Et donc vous faites votre plateforme qui fait pile la taille de l'ancienne petite hutte de sorcière. On va continuer ici en rajoutant sur le côté une ligne de blocs pareil où les mobs peuvent spawner. Et ensuite on va mettre donc ici des pistons qui sont des pistons non collants, donc des pistons normaux comme ça. On en met partout sur toute la ligne. Hop, hop, hop. Et de l'autre côté, on va en mettre, mais en laissant un espace de 1. Donc, on va les mettre comme ça. Hop, et pareil, donc on fait les 9 de long. 8 et 9. Hop. Voilà, donc là on a mis nos pistons. Maintenant, on va mettre nos trappes. Donc on va utiliser pas mal de trappes. On commence les trappes ici et on les ouvre sur tous les blocs. Hop, comme ça, comme ça, comme ça et comme ça. Là on a toutes nos trappes, pas besoin d'en mettre ici. Et justement ici on va mettre. Alors moi je mets des blocs de verre, mais enfin je vous conseille des blocs de verre, ce sera plus simple. Il faut des blocs non spawnables, bref, mettez des blocs de verre comme moi. Donc ici au-dessus de votre piston et le bloc à côté, là c'est pareil, au-dessus du piston et le bloc à côté. À côté de ça justement, on va prendre hop, des blocs ici et on va hop, mettre des crochets. Donc faites 1, 2, 3 comme ça, un petit coude, vous enlevez cela et vous mettez un crochet. Évidemment, vous mettez un fil entre les 2 crochets, puisque en fait le fil va permettre de déclencher justement la machine. Hop, voilà, on a entendu le petit clic. Mettez un bloc là, hop, comme ceci,
Et vous prenez un répéteur que vous allez mettre là à 3 tics, c'est important. Pareil de l'autre côté. Donc hop, hop, hop. Un répéteur dans ce sens-là à 3 tics. Ensuite, alors ça on n'a plus besoin, on va avoir besoin de ça. Vous prenez un piston collant que vous mettez vers le bas. Là, vous prenez un bloc observeur dans ce sens-là. Il faut que le point rouge il soit du côté du répéteur et que les yeux y soient vers l'extérieur. Vous faites la même chose de l'autre côté, évidemment. Donc, piston collé vers le bas. Hop. Ici, le bloc observateur. Et hop. Ici, on va mettre un rail, qui est un rail de propulsion, donc les rails dorés hein, en or. Hop, comme ça. Et voilà, donc là vous avez fait une tranche pour un palier. Donc moi je vais copier ça, du coup c'est exactement la même chose donc sur toutes les lignes qui sont là. Hein. Bon, vous avez vu que ça déclenche. Donc je vais faire les 9 lignes et je vous retrouve après. Et voilà, du coup vous devez avoir quelque chose qui ressemble à ça pour le premier étage, donc pour l'étage du bas, hein, je le rappelle. On va faire exactement la même chose, mais un étage au-dessus, puis re-un étage au-dessus. À la différence près que ici, vous voyez, donc là j'ai mis un bloc de construction avec les rails, propulseurs au-dessus. La seule différence, c'est que ici, on va juste mettre, hop, comme ça, deux observeurs, et que on va mettre le rail par-dessus ici. Voilà, tout simplement. Évidemment, la même chose de l'autre côté. Hein. Donc, hop, vous venez vers le bas comme ça. Hop, qui vont vers le bas. Et le rail au-dessus, comme ça. Et vous refaites exactement la même chose. Hein. Donc, ici, vous allez vous retrouver avec de la soul sand. Ici, vous avez votre bloc. Vous continuez vos lignes un peu comme ça. Bref, vous avez compris. Je vous retrouve dès que c'est fait pour les deux étages du dessus. A tout de suite. Bon, du coup, voilà, vous devez avoir quelque chose qui ressemble à peu près à ça, enfin qui ressemble exactement à ça, à vrai dire. N'oubliez pas de mettre tous les répéteurs à 3 tics, n'oubliez pas de mettre bien les petits fils bien partout, partout, hein, sur les trappes et tout. Il faut que tout soit bien connecté. Évidemment, vous n'avez pas besoin de faire une ligne de rail sur la dernière ligne là-haut. Et vous n'avez pas besoin de mettre des observeurs partout partout, hein. Vous faites une ligne, vous avez juste besoin des observeurs devant, là, les deux observeurs. Vous les avez besoin que une fois, pas sur toute la ligne. Voilà, donc normalement, vous devriez avoir ça. Maintenant, on va continuer un petit peu la redstone. Du coup, on va commencer ici à mettre une ligne de blocs. Alors, mettez du vert comme moi, ça sera mieux. C'est pour éviter que ce soit des blocs spawnables. Vous allez en gros du piston là au piston là. Vous mettez toute une ligne. Et ensuite, vous reprenez des rails propulseurs comme ça. Et vous allez les mettre ici. Vous faites une petite ligne aussi entre ce piston là et ce piston là. Ensuite, ici, alors on va mettre un observeur, c'est tout simplement pour éviter en fait que ce bloc-là il soit en train d'actionner en fait le rail qui sera ici si je le mets à la place. Vous voyez, si ici ça active le répéteur, ça va activer le bloc, ça va activer le rail, et c'est pas ce qu'on veut. Du coup, on va juste mettre un bloc comme ça, observateur. On va remettre ici un bloc normal de construction. On va reprendre un répéteur qu'on va laisser ici à un tick, hein, pas besoin d'aller plus, et on va remettre un bloc ici. On fait exactement la même chose de l'autre côté. Hop, bloc, répéteur et rebloc. Non, pas là, là. Voilà. Donc vous devez avoir à peu près quelque chose comme ça. Et on se retrouve tout de suite. Là, on va créer en fait une cloque à partir de là, donc une espèce d'horloge qui va déclencher le système au cas où il y ait des sorcières qui soient bloquées en fait dans le système, parce que ça peut arriver une fois de temps en temps. Et du coup, on va ajouter cette petite horloge qui va nous permettre de débloquer le système. Donc à tout de suite. Nous revoilà du coup pour faire donc l'horloge. J'ai pris tout ce qu'il me fallait dans mon inventaire. Pour commencer, on va mettre deux petits blocs temporaires ici, qui vont nous permettre de mettre les blocs observeurs, deux blocs observeurs comme ça, dans cette direction-là, pour que le signal puisse remonter comme ça. Par-dessus, on va mettre un bloc de construction, peu importe, hein, évidemment, c'est la même chose, qui va permettre du tout coup d'activer en fait le rail propulseur qui sont là.
Ensuite, on va descendre deux blocs, comme ça. Donc on va laisser un espace, et ensuite on va prendre cette fois-ci du verre. Et ici, on va pouvoir mettre une première poudre de redstone. Ici, on va mettre un comparateur. C'est un comparateur, hein, c'est pas un répéteur, attention. On va faire un espace de 2 qu'on va casser et on va remettre un comparateur ici. Là, on va mettre alors hop, des entonnoirs. Alors attention, il faut bien les mettre comme ça. C'est-à-dire que l'un doit aller dans l'autre et l'autre dans l'un. On voit ici qu'ils sont comme ça. C'est hyper important puisqu'il faut que les objets puissent bouger de l'un à l'autre. Sinon, ça fonctionnera pas. Ensuite, ici, on va mettre hop, un autre bloc de construction. C'est important puisqu'il va y avoir un signal redstone à l'intérieur. Et vous mettez aussi une poutre de redstone. Enfin, vous prenez deux pistons collants. Alors attention, il faut bien qu'ils soient collants. Si vous faites ça avec des pistons normaux, ça ne fonctionnera pas. Et là, vous mettez un bloc de redstone. Et c'est important aussi qu'il soit un bloc de redstone, hein, sinon ça ne fonctionnera pas. Qui va permettre en fait de couper en fait, la possibilité à l'entonnoir qui est en dessous de transférer les items. Et c'est ça qu'on cherche. À côté de ça, on va mettre hop, ici un petit bloc. Alors je vous conseille de mettre du verre aussi pour éviter le spawn, tout ça. On va mettre donc un levier qui va nous permettre d'activer ou de désactiver cette horloge. Et la dernière chose qu'il vous faut, tout simplement, c'est mettre 4 objets. Donc peu importe, hein, 1, 2, 3, 4. Vous en mettez 4 dans un des entonnoirs. Et voilà, vous voyez que normalement, ça fait un mouvement comme ça de va-et-vient que vous pouvez stopper avec le levier ici. Et du coup, voilà, ça c'est notre petite horloge. Elle est finie. C'est ça qu'on voulait. Bon, et voilà, quand on en est là, on a presque terminé. Il nous reste trois petites choses à faire. La première, ça va être de faire en sorte que les sorcières ne tombent pas en dehors de la machine ailleurs. La deuxième chose, c'est de mettre un toit pour que ça puisse spawner correctement. Et la troisième chose, ça va être de faire un petit système pour qu'on puisse tuer les sorcières. Donc, on va commencer tout simplement par faire une sorte de mur. Donc, ici. Donc, hop, 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 hop. On va descendre jusque là. On va remplir tout ça comme ça. Ça, c'est le premier côté. On fait la même chose de l'autre côté. Voilà, et du coup, évidemment, il faut qu'on ferme ici également. Voilà. Donc maintenant qu'on a fait les murs, donc normalement les sorcières elles peuvent plus tomber ni à droite là-bas ni à gauche par là. Il va falloir qu'on fasse le toit et le toit il va falloir le faire assez grand. Donc pour commencer, pour avoir une idée de jusqu'où il va, vous allez passer une dalle au-dessus d'un fil ici en position basse. Alors pourquoi une dalle? Tout simplement pour que bah, rien ne puisse spawner au-dessus. Hein, donc ça va être une partie du toit. Et voilà donc. On va mettre ça comme ça. Hop. Donc là, on a toujours nos 7 de large, hein, sur normalement nos 9 de long, puisque la machine, elle fait la même taille que la hutte de sorcière à la base. Donc du coup, vous devez avoir un toit ici, comme ça. Hop. Alors, je finis juste le contour. Et ensuite, on va aller placer d'autres dalles et des escaliers. Alors comment on va aller les placer? De ce côté-là, je vais vous faire un côté. Hein. Donc vous mettez un escalier, deux escaliers, hop, trois escaliers comme ça. Et ici, vous mettez 11 dalles de plus. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Évidemment, vous recommencez pour tous ceux qui sont à gauche ici. De l'autre côté, pareil. Et sur les autres côtés, vous allez mettre donc du coup des dalles jusque là, puisqu'on ne peut pas encore mettre d'escalier. Et ici, on va mettre des escaliers. Donc normalement, vous avez 5 dalles. 1, 2, 3, 4, 5. 3 escaliers. Dans ce sens-là, c'est mieux. Un escalier. Deux escaliers. Et hop. Trois escaliers comme ça.
Et du coup, vous continuez. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, normalement cette fois-ci. 5 et 3, 8. Et 6, 14. Normalement, vous avez 14 de chaque côté. Donc là, vous avez 3 et 11. Là-bas, vous avez 5, 3 et 6. Donc normalement, ça fait 14. Du coup, vous faites le toit partout autour comme ça. Et voilà, donc je vais le faire de mon côté et je vous retrouve tout de suite puisque vous allez voir, on peut aussi couper un peu sur les angles. Bon, et voilà, du coup, quand vous avez fini le toit, ça doit ressembler à ça. Là, je vous ai mis avec de la prismarine, donc c'est des petites dalles de prismarine, là où il y a du coup le centre de la machine, donc les 7 sur 9 pour que vous puissiez vous rendre compte, hein, évidemment. Donc on a bien les 5, puis les 3, puis les 6. Là, on a bien les 3 puis les 11 et on relie sur les côtés en diagonale. Et on fait ça 4 fois pour les 4 coins, tout simplement. Ce qu'on va devoir faire, c'est la dernière chose, c'est ce qui va nous permettre de tuer les sorcières. Hein, puisque évidemment, les faire tomber, c'est bien gentil, mais il faut récupérer les loots. Donc pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à créer un petit mur ici, si j'y arrive. Donc ici. On fait 3 sur 3, prenez du verre, c'est mieux, c'est plus sympa. Et ici, vous prenez des petits murets. Alors, hop, ici, vous cassez, on met 3 murets de haut, 3 murets de haut, on refait un petit mur de 3 sur 3, hop, voilà. Ici, on va mettre une petite colonne de verre aussi, et il me faut un panneau ici, hop, que l'on va mettre. Là. Peu importe, hein, on va rien mettre dessus. Devant, ici, on va avoir besoin d'une petite zone qui fait 7 de large. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ensuite, on passe à 5. Au milieu, 3 et 1. Voilà, comme ça. De l'autre côté, ici, on va redescendre de 3 avec les murets. Donc 1, 2 et 3. 1, 2, 3. Voilà, ici on remet une petite colonne de 3, enfin de 2, pardon, 1, 2, 3. Ici on continue cette colonne-là, évidemment. Et on va avoir besoin d'entonnoirs, hop, pour collecter tout ça, évidemment. Donc, je mets un entonnoir là, hop, comme ceci. On a besoin de 3 entonnoirs. Tout simplement, alors là évidemment je l'ai pas mis mais on peut le mettre. On va prendre un petit coffre. Hop. Qui va se placer ici. Et c'est ici que vous allez récupérer tous vos loots. Hein. Donc en fait les sorcières elles vont tomber ici sur cet entonnoir là. Et sur cet entonnoir là, on va y mettre donc un rail. Et on va y mettre 24 minecarts. Donc ici, et alors attention là, il faut viser le rail, ni le minecart, ni en dessous, hein, il faut bien viser le rail et en rajouter. Alors moi je suis en créatif là, mais vous il va falloir en rajouter 24 pour que ça fonctionne. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23 et 24. Voilà. Et comme ça en fait, quand elles vont tomber là, elles vont suffoquer dans les petits murets sur le côté, et elles vont mourir, et elles vont vous donner leur loot. Alors ici, on va continuer la plateforme. Donc on continue comme ça. Hop. Évidemment, on va faire un courant d'eau par-dessus, pour que ça puisse nous amener nos sorcières jusqu'au minecart. J'en suis où? 1, 3, 4, 5, 6, donc il manque encore un. Évidemment, il faut que ça fasse la même surface. Et ensuite, évidemment, on va faire des murs sur les côtés. Et voilà. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à mettre les sources d'eau. Donc normalement, une ici dans le coin, une autre ici dans le coin. Et voilà. Donc normalement, tout sera poussé par là et va tomber là-dedans. Hop, on va sortir un petit peu là. Hop. Et voilà, donc votre machine, elle est terminée.
Maintenant, ce qu'il va falloir, c'est vous mettre au bon endroit pour que justement ça spawn à l'intérieur et pas à l'extérieur. Du coup, voilà ce qu'il va vous falloir pour trouver le point exact le plus optimal, c'est des échafaudages. Alors, il vous en faut exactement 121, donc pas plus, pas moins. Et ce que je vous conseille, donc du coup, c'est de faire donc un stack de 64 et un stack de 47. Ensuite, il vous faut trouver donc ce bloc-là que j'ai mis de redstone, c'est un indicateur. En fait, c'est au centre de la longue ligne. Donc ici, on a notre ligne de 9, hein, comme d'habitude. Et vous voyez, on a toujours nos 5 dalles ici, et on a notre premier escalier. Tout simplement, c'est le point qui s'est... Enfin, mettez un bloc au-dessus du premier escalier, à ce niveau-là. Et ici, on va mettre donc nos 121 échafaudages. Donc je vais repasser en mode survie. Et voilà, il vous suffit de tout mettre comme ça. Vous cliquez sur l'échafaudage du bas, ça va les mettre jusqu'en haut. Vous faites ça jusqu'à ce que vous en ayez plus. Hop, comme ça. Et voilà, donc vous avez mis vos 121 échafaudages. Je vais repasser en mode créatif, ça sera plus simple. On va se retrouver tout là-haut. Et on va faire une petite chose qui est de mettre une torche sur l'échafaudage du haut. Et on va mettre une dalle un petit peu plus haut. Alors, vous mettez ici une torche. Donc ça, c'est pour éviter le spawn, hein, évidemment. Et ici, alors, il va falloir mettre une dalle un petit peu plus haute. Si vous la mettez là, évidemment, vous ne pourrez pas être en haut. Donc, il faut la mettre là. Donc, en position basse, évidemment, puisque normalement, vous allez AFK. Hop, ici. Voilà. Donc, ça, c'est pour éviter que les fantômes spawnent, hein, évidemment. Moi, ce que je vous conseille également, si vous êtes vraiment AFK et que vous ne regardez pas votre écran, c'est de vous entourer avec d'autres blocs pour éviter que justement il y ait quoi que ce soit qui arrive. Hein. Mais normalement, c'est censé suffire en tout cas avec juste ce petit système-là. Voilà. Du coup, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je vous invite à la liker si ça vous a plu et à vous abonner également si c'est pas déjà fait. Sur ce, on se retrouvera lundi pour une mini figurine Minecraft. Bon après-midi à tous. Ciao, ciao!